Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 11e épisode. 11e épisode qui est la suite des 10.1, 10.2, 10.3 et peut-être même 10.4. Alors on est retour. On est de retour sur Focus. Donc pour rappel, j'ai pas réussi à tuer. Ouais, joli paysage. J'ai pas réussi à tuer quand même l'autre Tartuffe là. Ah, les filles d'Artémis. Ça c'est la déesse de la chasse. Ah bon. J'ai pas réussi à tuer Elpenor. Il s'est échappé. Et du coup maintenant il est quelque part en Focus. Vous voyez que Focus c'est très grand. Donc je pense qu'une quête secondaire devrait me donner accès à lui. Donc je vais devoir faire des quêtes dans la région. Tu as des ennuis ? Enfin secondaire. Oh ça je n'en manque pas. Il va falloir que j'écume la zone en tout déjà cas. Déjà l'oracle, ensuite la mer, et je ne te parle pas de mon équipage. Tu es en affaire avec l'oracle ? Nous sommes loin de Delphes pourtant. Je l'étais. Et mes affaires ne te regardent pas. Je n'ai que faire d'Amistios. Les seuls à pouvoir m'aider, ce sont les dieux. On va partir là-dessus. Quand on veut obtenir quelque chose, il vaut mieux le faire soi-même. Tu as raison. On ne peut pas faire confiance aux dieux, ni à leurs serviteurs. Bon, qui es-tu? Capitaine Gallon, du Dent de Requin. Le Dent de Requin est ton bateau? J'ai l'air d'un abruti de pêcheur. C'est un navire, pas un bateau. Ce n'était qu'une question. Je suis là pour t'aider. Oh, ce n'est pas ta faute. Après mon affaire avec l'oracle, je suis venu retrouver mon navire. C'était hier, et je ne sais pas où il est passé. Ça me regarde pas, alors c'est sa vie privée. Le Dent de Requin, où est-il? Tu crois vraiment que je serais encore ici si je le savais? Elle te dit qu'elle le sait pas. Je recommence. Où devais-tu retrouver ton équipage? Eh bien, j'ai envoyé Geeké, ma compagne. Il arrive que des pèlerins restent coincés dans les hauts fonds et on les aide. Ah, ta compagne? Oui, ma meilleure recrue. Et bien plus encore. Écoute, retrouve mon navire et ma Geeké, d'accord? Je te paierai. Ok. Je vais découvrir ce qui s'est passé et te les ramener. Jusque-là, je m'en fous de savoir à quoi elle ressemble. Avis, mais sinon, toi, il devait être vers où? On gagne bien sur la côte sud-est. Il y a une jolie crique où on peut piéger de riches pèlerins perdus. J'aime bien les pièges. Pirate. Et quand bien même, je suis la pirate qui te paie. Et puis, je ne fais pas tout le temps ça. C'est plutôt pour passer le temps. Passer le temps? Tu es sûr que ton équipage ne s'est pas mutiné? Pas avec ma Geeké à la barre. Et l'équipage n'a pas reçu sa part du dernier voyage. Il ne serait pas parti sans avoir été payé. Ok. Je vais les retrouver et te les ramener au plus vite. Sans équipage. Trouver Elpenor. Il est quelque part en Focus, oui. On va faire celle-là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc vous voyez, j'ai pas un gros point qui me dit cherchez-moi ici. Alors Geeké et le navire sont près de la colline de la guerre sacrée. Colline de la guerre sacrée. C'est cette région. D'accord. Ils sont à l'est du campement militaire de Bulis. Faudrait que je vienne découvrir ça. Et ils chassent un trésor dans la crique. Bon, ils sont là quoi. Clairement ils sont ici. Il n'y a pas d'autre option. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cheval, je vais faire ce point de synchronisation. Allez, Phobos. Donc il faut que j'aille par là-bas. On va se mettre un point. Ok, il faut que j'aille tout là-bas. Bon bah on va tâcher de manger la côte. Hop, un peu de bois au passage. Ça c'est les seuls qu'on voit à peu près bien. Les cailloux c'est un peu plus délicat. Yeah.
Ok. Hop, 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 hop. Du fer, du bois. Hop. Bon, bah, je crois qu'il va falloir y aller à la nage. J'aurais peut-être dû prendre le bateau pour venir, ça aurait peut-être été plus rapide. Ah ouais, je suis couillon, j'aurais dû aller dans la crique avec le bateau, moi. Ouais, mais ça m'aurait pas amené au point de synchro. Il est où mon cheval? Il s'est noyé. Il était noyé pour de bon. C'est quoi qui a été découvert? Bon, on va peut-être pas en avoir besoin là. Pour les 170 derniers mètres. Au passage, j'en profite pour me farmer un peu les ressources. Ah mince, ça n'était pas un. Ah oui, du coup, la synchronisation de l'autre lieu, hein, je l'ai fait hors vidéo. Vous voyez, la crique, elle doit être en face de nous, là, vers l'aigle. Là, il y a un campement athénien, apparemment, que je vais m'empresser d'aller nettoyer. Là, il y a des navires pirates. Ben, c'est la crique qu'on voyait. C'est quoi, ça? Là, il n'y a rien. C'est quoi ça? C'est des brigands? Ça vaut le coup d'aller nettoyer ça. Puis le campement militaire, éventuellement. Là-bas, il y a une petite quête secondaire. On va se faire ça. Ah, vous voyez, il n'avait pas tout vu. Pouah, ça vaut, je perds du temps pour aller farmer des trucs là. Non, je ferai ça plus tard. Par contre, le camp militaire, je dis pas. Hein. Là-bas, il y a une petite quête en plus secondaire. Limitée dans le temps. Hop, j'aperçois mes premiers gardes. Hop, ressources. Là, il y a un navire échoué. Ah, en plus, ça affaiblirait la puissance de la zone. Et on va s'y faire. En passant, combien sont que 4? Je vais devoir faire très attention par ici. Tiens, il y a quelque chose derrière la colline. Et là-bas, il y a une quête. Ça fait à la sauvage ou... Ouais, allez, à la sauvage. Je vais te montrer. Mais lui, en dernier. Yeah.
Hop. Son bouclier, j'arrive pas à lui arracher, il est trop gros. Hop. Ça fera un mouvement en moins. Je n'aurai aucune mort. Tu reverras plus le soleil. Bouclier. Alors j'essaie de le tuer en dernier. Non, c'était en dernier que je voulais le tuer. Voilà, donc ce que je voulais, c'était tuer le garde, le dernier garde, dernier là, pour annuler ma prime une fois que j'aurai tué tout le monde, quoi. Mais bon, ça va, ça n'a pas été. J'ai pas été impacté par ça, oui, ma prime est toujours de zéro. Quoi, je vais pas te libérer, j'ai pas de raison de le faire. Ravitaillement, c'est ici. Je dois éteindre ça. Hop. Ah, y a plein de choses à piller un peu partout. On va reprendre l'arme. Hop. Alors, il y a du trésor, des drachmas, pierres précieuses. Là, il doit y avoir quelque chose. Les râteliers d'armes, toujours. Ah, j'en oublie un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore par là? Non, là, il n'y a plus rien, plus rien. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Donc c'est bon, la zone est finie, là. C'est bien le dent de requin. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ah. Bon, bah j'ai trouvé le dent de requin. Hop, une dernière à piller. Croc de lion. Ok, il est dans l'eau. Vous voyez, même s'il n'y a pas un gros cercle jaune en vous disant merci de rechercher ici, qu'est-ce que tu me veux, toi? Kéré, de l'aide te serait utile? La dépouille d'un homme riche était enterrée peu profond. Et ses biens étaient avec lui. Une proie facile pour les chasseurs de trésors. Oui, en effet. Des pillards sont arrivés avant moi. Mais je sais où ils ont emporté ces richesses, Mystios. Dommage qu'ils soient trop nombreux pour que j'y aille. C'est pas ceux qui sont sur le camp un peu plus haut. Tu veux que j'achète ça? Oui, son emplacement sera à toi. En échange de son prix en drachme. Allez, pour 50 drachmes. Non, mais il doit y avoir quelque chose et la lumière.
Ils sont combien? Ils sont deux, les requins. Bon, ça va, c'est du niveau 11, je suis niveau 13. Il y a même des tortues. Ça correspond à la description du brassard de Geeky. Ah. Non, je pense qu'on a du tout récupéré. Ouais, le lieu est exploré. Voilà. Allez. Il y a une petite inertie quand même. Ok. Tu ne l'emporteras pas avec toi. Oui, donc j'ai bien fait de pas nettoyer quand tout à l'heure. Donc on va se rendre là-bas. Hop, on va appeler Phobos. Ok, vous avez vu ce que je viens de voir? Le cheval est sorti de l'eau. Il est plus fort que Bucéphale, ce cheval. D'ailleurs, c'est à ça qui me fait penser, ça, Bucéphale. Cheval robe noire. Le cheval d'Alexandre. Ah, ils sont niveau 13. On va se faire les deux qui sont groupés. N'espère pas te rendre. Hop. Et voilà, bon, c'est pas mal. Le tien cette fois. Toi, tes flèches empoisonnées ne m'intéressent pas. Tu tiens toujours de. Voilà. Là c'est fait, il n'y a plus qu'à piller ça. Bon en fait j'avais même pas besoin de les piller les drachmes. Je les avais. Ah bah non, ça m'a apporté le 14e point. C'est un spartiate. T'inquiète pas. Allez, on va rappeler le cheval. Non, vous dites-moi, je passe par les hauteurs, là. Hop. Parce que sinon, je vais encore me faire avoir par la flotte. Je vous rappelle que je me suis déjà fait eu. À l'aller. Et c'est au passage. Donc ça, c'est nettoyé. L'épave nettoyée. Ouais, il faut que je revienne par là.
coup d'œil. Il tient bien dans la pente, le cheval, quand même. Oh, ça, c'est de la forteresse. Faut pas trop s'en approcher. Je pense qu'il serait pas content de me voir débarquer. On verra ça plus tard, faudra bien se les faire à un moment donné. Mais chaque chose en son temps. Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait pas planqué là-dedans, à Alpenor ? S'il cherche à se mettre en sécurité pour m'empêcher de le tuer, c'est bien là qu'il sera le plus en sécurité. Même s'il n'y a rien qui peut vraiment le protéger de moi, c'est dit en passant. Alors, on va pas s'approcher de la cité, c'est pas ce qu'on veut. C'est des presses à olive. Hop. Ce serait pas ridicule, sachant qu'on est en Grèce et qu'il y a plein d'oliviers à côté. Alors, allons voir cette dame, lui annoncer que la Geeké est morte et que son navire a sombré. J'ai trouvé ton navire. Et donc ? Allez, où est-ce qu'ils sont ? Où est ma Geeké ? Je ne sais vraiment pas comment t'annoncer ça. Je ne sais pas comment t'annoncer qu'ils sont tous morts. Je serai le temps d'embrosser toutes les femmes d'Athènes avant que tu dises quelque chose. Où est-ce qu'ils sont ? Elle est sympa, cette réplique. Ils sont morts, d'accord ? Et tu n'as plus de navire. Oh, ma Geeké. Je n'ai retrouvé que son brassard. Geeké. J'imagine que je ne suis plus capitaine. Sans navire, il n'y a pas de capitaine. Ah, ça, c'est comme dans le film Pirates des Caraïbes, ça. Avec, avec le Hollandais volant. Le navire doit avoir un capitaine. Si tu tues le capitaine, tu prends sa place et tu le remplaces. Je peux t'offrir une place dans mon équipage. Je t'offre une place sur mon équipage. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'un navire, mais tu auras une famille. Mmh. Être en mer sera toujours mieux que de rester avec ces dévots. Marche conclue. Jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Évidemment. C'est qui pour elle, les dévots ? Dis-moi, où est ton bateau ? C'est les gens avec qui elle était en affaire à... Il s'appelle l'Adrastia. Comme tu voudras, capitaine. Bon, ok. Bon, là ça avance plutôt bien. Un serpent dans les hautes herbes. Il n'y a pas une région qui s'appelle les hautes herbes par hasard. Colline de... Ah, par contre, il y a la vallée du serpent. La vallée du serpent. Non, je vais pas faire ça. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis passé niveau 14. Je dois pouvoir m'équiper de la lame légendaire. Ouais, j'aimerais bien vivement que je puisse en avoir deux. D'ailleurs, qu'est-ce que ça me fait si je mets ça ? Je perds en dégâts de chasseur, en dégâts de guerrier. Ça, ça me fera un boost en dégâts d'assassin. Ouais, c'est des... D'accord. Ça, j'y bazardé. Ça, j'y bazarde. Bazarde. Ça c'est spartiate, j'y garde, mais c'est juste pour dire que j'ai gardé. J'ai 2 points. Ça, ça se débloque quand ? Au niveau 16. Arsenal en brûlant. Niveau 15. Niveau 20. Niveau. Synchroniser 20 points de vue supplémentaires. Ah. D'accord. Ok, ça c'est mes skills permanents.
Là, est-ce que j'ai quelque chose de mieux? Non. Pour l'instant, je vais essayer de pas trop vendre, j'ai pas besoin d'argent. Vous voyez, j'ai quand même 20 000 drachmas. C'est plus là au niveau tablette et bois d'olive. Bois, c'est là que ça part. C'est ces ressources qui partent assez vite. Là, par exemple, si je l'améliore, ça va me bouffer un cinquième de mon fer. Bon, pour l'instant, je galère pas trop. Donc, je vais garder comme j'ai. En plus, j'ai vu que quand on augmente dans les rangs de mercenaires, donc vous voyez, là, les forgerons baissent leur prix de 20%. La récompense de contrat de guerre et des primes augmente de 20%. Les forgerons réduisent leur coût à nouveau de 20% pour les gravures. De redoutables commanditaires gagnent leur prime pour 20%. Et quand on est échelon 4, là, ça commence à être intéressant. On a 20% de réduction sur les trucs là, sur les améliorations du navire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la vallée du serpent. On va aller voir la vallée du serpent, on va aller voir ce qui se cache par là-bas. Hop. Je vais revoir la carte quand même par où je passe. Ouais, il n'y a pas vraiment de route. On va essayer de couper derrière le fort. Hop là, j'ai eu un truc à ramasser. Eh, quand même, une pierre précieuse dans le lot. Ça allait peut-être le coup de s'arrêter. Ça, c'est la demeure du dirigeant. Donc si je veux affaiblir la zone et la faire passer sous contrôle spartiate, ça fait partie des choses que je vais devoir faire. Fasse gaffe, je suis en face du fort. Ouais, mais s'il y a une route, autant passer par la route. Ah. Oh, 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 c'est quoi ça? Là, j'ai eu un garde. Ils sont combien les gardes? Hein? Ça c'est quoi ça? C'est un pécor. Donc ça fait un garde. Ça c'est une note de garde. On redescend un coup. Là en plus sur les gardes il y en a un qui dort. Ils sont pas nombreux, je peux me les faire. Allez, on se le tente. Les hommes de Glaise de Prométhée. Si seulement Athéna pouvait leur insuffler la vie. Ouh, j'ai pas réussi à la shoot. Je suis niveau 14, j'ai pas réussi à les one-shot. Allez. Lui, j'ai réussi par contre. Faut faire gaffe à pas se faire cramer par les soldats athéniens. Tuer les gardes du culte. D'accord. C'est le culte de quoi? De Prométhée?
Je déconne. Je dis que j'ai pas regardé les displays, mais je connais à peu près l'intrigue du jeu quand même. Là, l'ostracon est énigme. Et la tablette ancienne. Promettez la naissance de l'humanité. D'accord. Ok, bon, c'est pas trop mal. Allez, viens voir papa. Je vais grimper sur l'arbre tout là-haut. Il m'a semblé voir une tyrolienne. Attendez. Elle est où? Ah, il y a bien un câble. Soit c'est un câble, soit c'est mon PC qui est vraiment pas assez puissant pour afficher tout ça. On sent qu'il a du mal à grimper, mais il va y arriver. Folo, c'est un bon grimpeur, un bon cheval de montagne. C'est même plus qu'un cheval. Répit, nous attire. Allez, ça attire. Le corps d'un bouc et d'un homme mélangé. D'où l'expression être un gros satyre. Ils n'étaient pas réputés pour leur finesse. Hein. Qu'ils n'étaient pas les seuls à ne pas être réputés pour leur finesse. Je vous rappelle que les centaures ont quand même, dans notre esprit, une meilleure image et étaient guère mieux. Si on en croit les mythologies, ils ont été éliminés par Hercule après que, lors d'une beuverie, ils aient violé sa femme. Enfin, un centaure a violé sa femme, du coup, ivre de colère, il les a tous tués. Sauf Chiron. Chiron qui est censé être le centaure qui lui a appris à manier des armes. Bon, enfin. On n'est pas trop mal. Maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Donc là, on a la vallée du serpent. C'est où ce que j'ai nettoyé? C'est ici. Là, il y a un point d'intérêt, un point d'intérêt. Donc, normalement, il est censé être par là. Elpenor. Un serpent dans les herbes. Faut que je trouve des herbes hautes. On va voir. Il est peut-être dans le bâtiment en face. Ou dans le bâtiment en face. Et moi, c'est où ce que j'ai vu? Oui, il y a une sacrée grotte là-bas. Il doit y avoir quelque chose à faire. Où c'est que ça pouvait être, le câble? Et c'est quoi ça? Ah! C'est quoi ce truc? Il y a des trucs bizarres. C'est quoi ce truc énorme? Là je vous avouerai que je sèche un peu. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est un point. Nicolaos m'a parlé de serpents dans les herbes, mais. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord, donc c'est ici le serpent dans les herbes. Temple du serpent. Oh, tu veux me dire que c'est un serpent ce squelette?
Ah, attendez, on va sortir de là. On va aller sauvegarder. Je peux sauvegarder là? On va sauvegarder. On va être prudent. Et en plus, ce que je vous propose, on a 33 minutes de vidéo, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode. J'essaie de faire des épisodes plus courts pour pouvoir vous les mettre en ligne plus facilement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et rendez-vous au prochain épisode pour voir ce qui se passe avec ce serpent dans les herbes. Tchou tchou les amis.